Bonjour! Soyez les bienvenus pour cette nouvelle convention 2023 dont le thème, vous le voyez derrière moi, c'est Touchons Dubois. Philippe Dubois, sous les applaudissements de la foule en délire, s'il vous plaît. Je prends visée. Oui, ben je vois ça, oui. On a l'habitude de la fin de journée. Oui. Même le début. Même le début de journée. Pardon, au fait, le but du jeu, c'était de toucher du bois, alors je me permets, hein, puisque ça porte bonheur. Sur Taon, vraiment une caractéristique du territoire, c'est la lutte contre la précarité. Et grâce à Vaugelis, on a un appui concret pour avoir un terrain d'expérimentation favorable. Je suis très heureux de toutes ces dynamiques positives. On a la chance d'avoir dans notre département un acteur social, un bailleur social qui est exemplaire. Et Vaugelis est un acteur majeur dans ce domaine et accompagne les collectivités afin d'essayer de résorber des poches de vacances dans le centre-ville, de retravailler sur le bâti ancien pour lui redonner vie. Et ça, c'est très, très important. Il m'a dit, tu me tutoies, sinon t'en prends une. Fabrice, je vais te demander de te mettre plutôt ici, puisque là, ça fait un peu tourner le dos à la salle et je sens qu'en régie, ils vont avoir un petit peu de mal à capter ton regard si lumineux. Tu me gênes, Jérôme. Le rire, c'est le propre de l'homme. Et donc, la démonstration aujourd'hui, c'est de dire on est très investi, très engagé, avec petit 1, satisfaction client, petit 2, bien-être des collaborateurs, petit 3, engagement pour la planète. Pour les traiter, on peut le traiter avec humour. On est mal, patron. On est mal. Il y en a même qui sont déjà développés. Hein. On a par exemple la visite technique virtuelle qui est déjà mise en place depuis quelques mois maintenant et notamment à disposition des membres du CRC. Quand un directeur général n'a vraiment pas d'idée, la meilleure solution qu'il a, c'est de se retourner vers ses collaborateurs en disant « Les gars, vous n'avez pas des idées ?» Est-ce que c'est confortable pour les prochains intervenants? Franchement, ça me fait penser au canapé de ma grand-mère, mais oui, c'est sympa. Oui. C'est celui de Bénédicte, en fait, Van der Schaaf, de la communication. Qui n'est pas la grand-mère de Yannick. Ah non, qui n'est pas la grand-mère de Yannick, oui, pardon. Je crois qu'il y a votre téléphone qui sonne. Je dis que les logements pédagogiques de Golbey et Saint-Dié sont bientôt pédagogiques seniors, donc on en aura 3. Ce projet est complètement en phase avec la politique d'action sociale qui est menée par la CARSAT du Nord-Est, une politique en faveur de la prévention de la perte d'autonomie des seniors. Qu'est-ce qu'il y a dans la salle de bain? Dans la salle de bain, on a une brosse qui est, à ce qui paraît, un best-seller pour les seniors. C'est une brosse pour nettoyer les pieds. Voilà, ça évite de se plier, de se baisser. Exactement, d'accord. Ça évite les chutes, de se plier. Effectivement, il y a juste à bouger le pied comme ça, en restant assis ou debout, et c'est vraiment apparemment très pratique. On a voulu commencer un petit peu à mettre de la domotique toute simple, vraiment à la portée de chacun, avec une Google Home et une commande vocale. Donc ça aussi, c'est des outils qui commencent à apparaître chez le particulier, qui peuvent être intéressants. Oh là là. Non mais ça va pas? T'as craqué ou quoi? Madani, l'histoire est quand même sympa puisque c'est les locataires qui attirent notre attention sur la nécessité d'avoir un médiateur. Et le fait est, c'est, on va le dire aujourd'hui, est-ce qu'on pourrait s'en passer? Je crois que non. Hein. Voilà, donc vraiment merci à lui. Merci beaucoup. Voilà. Merci Madani, merci Julie, Amélie et Nathalie. Vous pouvez reprendre place. Au moins, là, c'est confortable. Il faut bien admettre que tous les super-héros en ont. Hein. Alors, on peut les applaudir, les gardiens de Vaugelis. Il est pour toi? Tu reviens l'année prochaine, c'est sûr. Hein. Voilà. Il est superbe. C'est les héros du quotidien, les gardiens. Si, moi, je confirme, c'est des héros. Vous aviez déjà un équipement en matière de vêtements de travail très complet. Ouais. Je crois qu'il nous manquait plus que les sous-vêtements. Maintenant, ça y est, c'est fait. C'est vrai qu'on on est super bien équipés. Je te rappelle. Hé, hey, mais tu nous avais caché ça, dis-moi. Félicitations, ça fait combien de temps? Ah non, hein. Chut, t'as rien vu. Je veux pas prendre 20 semaines comme Christelle. Donc, c'est bon. Maintenant, tu dégages. Si demain j'ai un collaborateur qui vient me voir en disant mon épouse est enceinte, est-ce que j'ai le droit à mes 20 semaines? J'ai dit, bien sûr, vous avez le droit à vos 20 semaines. Pour pouvoir s'occuper de son enfant et donc tout ça évidemment à la faveur de la conciliation vie professionnelle et vie privée et aussi quelle que soit la situation maritale. C'est une véritable avancée sociale. On a la possibilité pour les collaboratrices qui ont subi une fausse couche ou une intervention volontaire de grossesse de bénéficier de congés pour pouvoir, on va dire, se reposer après ce type d'événement.
Bon, faut savoir que c'est une note dont on est très très fiers. Ça mérite les applaudissements des collaborateurs qui sont dans la salle. Bravo. Ça, c'est la Légion d'honneur de l'OPAC. Kellerman, 76. De la sueur, des larmes, des rires. La vie, quoi. T'imagines, 40 ans chez Vogelis à servir une entreprise, même 30 ans, 35 ans, 20 ans, ça mérite qu'on fasse une belle cérémonie. Alors ça, c'est le nouveau concept M'as-tu vu que tu nous as demandé de travailler. Ah d'accord, oui, pour le service communication, oui, bah c'est tout à fait eux ça, oui. Ouais, c'est ça, ouais. Ah, voilà, merci, on peut applaudir le service M'as-tu vu. Au-delà du slip que nous avons vu, il y a un Bermuda qui est arrivé l'été dernier. Tous les gars d'un immeuble vont avoir 2 exemplaires et pour le reste du personnel, c'est à la demande, c'est-à-dire s'ils souhaitent être dotés d'un Bermuda, ils le seront. Moi, j'ai été pendant des années comme tous les directeurs généraux, j'ai dit non. Hein. Ça me paraît somme toute avec leur cul assez naturel. Puis je me trouve ridicule d'avoir dit non pendant toutes ces années. Le polo qu'il porte aujourd'hui a quand même été tricoté dans les Vosges à Saint-Nabord, donc c'est vraiment un projet local. C'est surtout porter fièrement le savoir-faire d'un territoire. Ça va faire 30 ans qu'on habite ici et franchement, je suis contente de Vogelis. La preuve, c'est qu'on est heureux. Ouais, c'est du bonheur. Hein. Franchement, je peux pas dire mieux. Hein. On sait pourquoi on fait ce métier-là quand on voit un film comme ça. À la fois, c'est une très 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 belle action. Moi, c'est sans doute une de mes plus belles fiertés de ces dernières années. Des plans de relance, moi, j'en veux tout le temps. Hein. Donc, trouvons la solution. Je ne sais pas s'ils ont l'air d'accord. Si, ils sont d'accord. Moi, je ne les regarde pas, si tu veux. Mais... Bon, d'accord. Si, oui, les messieurs, ils te disent qu'ils sont d'accord. Oh, d'accord. Bah, là, vu qu'il y a du monde, je suis obligé de dire oui. Ça a été une superbe expérience pour l'établissement. On a réussi, il y a des taux d'insertion qui sont exceptionnels. Au-delà de tout ça, ça a permis aussi de se faire rencontrer des mondes différents entre des entreprises dites traditionnelles et l'insertion. Moi, je voudrais rappeler la phrase de Charles Chaplin qui a dit qu'une journée sans rire était une journée perdue. Et là, effectivement, j'ai vraiment passé un bon moment et je tiens à féliciter tous les acteurs amateurs de chez Vogelis qui ont fait preuve vraiment de beaucoup de talent. Voilà. Moi ? Ah bah, je suis celle qui va vivre là-dedans. Je suis la future cliente, en fait. Enfin, la cliente du futur. Donc l'idée, c'était d'utiliser donc le bois local, de le prélever sur notre territoire, de le transformer également sur notre territoire pour construire et rénover durablement. Là, la complexité, c'est qu'on utilise du réemploi dans le cadre de la structure du bâtiment. Donc c'est ça qui fait que c'est compliqué et qu'il faut que ça fonctionne. On a quand même un véritable souci avec le réchauffement de la planète. Hein. Et donc, il est grand temps d'agir. On a une véritable responsabilité en ce moment. Hein. Ce n'est pas les Chinois, ce n'est pas les Américains, ce n'est pas les générations futures, ce n'est pas les générations passées, c'est nous. Hein. Il y a un défi face à nous, puisqu'on sait que certaines essences vont disparaître. Tous les climatologues sont d'accord pour dire que dans 30 ans, donc demain. On aura le climat de Lyon, ici. Les 40 degrés, voire plus, sur les branchages des arbres, ça c'est très nocif. On risque de ne plus voir des belles forêts denses comme on a là, quoi. Donc il nous faut trouver des essences qui supportent la sécheresse, mais aussi qui supportent le froid. Je le dis, hein, j'ai vécu un moment formidable, un moment professionnel et personnel. On ne fait pas des projets que toutes les entreprises. C'est-à-dire qu'il y a un côté très important qui est l'aspect vertueux, éthique. Et donc, en tout cas, Vogelis coche toutes les cases dans ce domaine. Il faut me retrouver une parcelle dans les Vosges et une parcelle dans l'Alsace, s'il veut bien. Comme il y a du monde, je vais être obligé de dire oui. Mais non, pas parce qu'il y a du monde, c'est parce que, bien évidemment, on a envie de poursuivre cette aventure. Et bah, ça fait 10 000 watts. 10 000 watts oh. Ah, mais je vous reconnais, vous. J'étais pas sûre à cause des cheveux. Bonjour, madame. Service de Vogelis. C'est pour lui qu'on fait ça. Important que tout le monde fasse des efforts, madame André. On réalise ce bilan carbone depuis 2018. On peut constater aujourd'hui donc une baisse de ce bilan carbone. C'est principalement le reflet du gros travail qui est réalisé sur le patrimoine et l'amélioration de celui-ci. Sur scène, tout au long de la matinée, on a eu des collaborateurs qui sont dans différents services
et qui construisent, tout à l'heure je le disais, le projet d'entreprise. Et donc vraiment, il faut les saluer. Je voulais remercier, moi, tous les collaborateurs engagés dans les films et les locataires. Les locataires, les collaborateurs qui sont montés sur scène. C'est pas facile comme exercice. Pas facile. Et, donc, et ça mérite des applaudissements pour celles et ceux qui sont passés avec nous au salon.